sollicités par rapport. Ils ne voulaient pas, ils ont des connaissances que beaucoup n'en ont pas. Ils ne veulent pas. Ils ont heurté des grands entraîneurs, ils ont heurté des grandes équipes sur le plan international. À mon avis personnel, je pense pas que c'est des éléments pour collaborer, pour coopérer avec eux. Et je pense qu'avec ça, nous pouvons quand même essayer de voilà, vous venez de parler de top management, parlez-nous également des autres départements que vous avez. Bon, non, c'est bien vrai qu'on a une structure un peu très vaste et des partenaires aussi assez vastes. Et nous faisons également, comment ça s'appelle, nous avons également une société qui s'appelle Safrico Togo, qui est un peu placée un peu partout en Afrique. Et on est plus dans l'alimentation. Et au vu de cela, nous allons faire pour peu, quand même, toutes ces structures, surtout Safrico Togo, puissent quand même nous aider au niveau de notre académie. Et je pense qu'ils sont en train de le faire. Et je tiens vraiment à remercier le PDG qui nous accompagne. Qui, grâce à qui, quand même, on a pu faire des choses. Bon, ni le groupe va être dans la conception. C'est des gens déjà conçus sur place qui peuvent, sur le plan national, vous exécuter des travaux très rapides et efficaces, précis, dans la conception des terrains naturels et des terrains synthétiques. Aujourd'hui, j'ai vu un peu quand même les anciens joueurs, les constructions qu'ils ont faites, comment on appelle, où ils ont investi dans les bâtiments, sincèrement, à quelque part, la majorité, je suis un peu dessus. Donc, pour les années à venir, nous allons penser quand même les accompagner. Et c'est sur ce plan que nous avons créé la société Milieu. Qui est également la construction intérieure de notre pays. Bon, qui s'occupe également de la construction intérieure. Mais je pense quand même que sur tout le plan, il y a un projet derrière tout cela. C'est la mini-licence à l'intérieur du pays. Vous savez, il faut profiter assez de moyens. Donc sur le plan financier et sur le plan également humain. Et c'est à ce juste titre que tous les anciens professionnels, tous ceux qui ont atteint un bon niveau, même si c'est sur le plan national, qu'il atteint l'équipe nationale, c'est moi que nous avons besoin de ces compétences pour qu'ensemble on puisse vraiment faire évoluer notre projet. Il n'est pas vraiment adéquat aujourd'hui, en tant qu'ex-sélectionneur, que j'ai des, comment on appelle, les gens qu'on va dire, sinon, je me retrouve encore sur la pelouse pour faire la réflexion. Il faut savoir passer les mains à chaque moment. Si moi je ne peux pas revenir pour faire beaucoup à peu, ils ne seront pas la réflexion. Aujourd'hui, il faut les initier également, il faut les appeler à contribuer à ce que notre football va venir un peu sortir. Merci, merci. Merci beaucoup.